côté les premières utilisations de la TZ Touch 2, deuxième génération. Donc ici on est sur la page d'accueil où tu retrouves tous tes programmes, c'est-à-dire la cartographie, le sondeur, le radar, les caméras si vous en avez, la météo que vous pouvez télécharger en Wi-Fi avec les informations fichiers GRIB, météo, température d'eau surface, chlorophylle, le courant océanique. Donc ça c'est intéressant parce que c'est gratuit et ça vous donne des bonnes informations. Ensuite... Excuse-moi, c'est à combien de pouces ça? Ça c'est le 15.6. D'accord. Donc quasiment 16 pouces. Ensuite, dans ces pages-là, si à un moment vous voulez créer une page, c'est très très simple, vous cliquez ici, donc vous arrivez sur la page « Je crée ma page » et là vous faites glisser « Je veux deux fenêtres, je veux trois fenêtres, je veux une fenêtre ». Donc là on va prendre un exemple pour la pêche, « Je veux deux fenêtres, je glisse la carte GPS, je glisse le sondeur ». Et là, ma carte est créée. Je me suis trompé. Non, tiens, le sondeur, je le veux à gauche. Vous faites glisser. C'est très, très simple. Et là, je valide. Et donc là, ma page va être créée. Donc là, je me retrouve sur une page avec ma carte et mon sondeur. Ce qui est intéressant, lorsque je fais des dérives et ou lorsque je vois, par exemple, une détection, je donne un exemple. Ici, tiens, j'ai un poisson. Je vais créer un point. Et il est géolocalisé et je retrouve ce point sur ma carte. Qui est ici. D'accord. Donc je reviens à ma page centrale. Je veux uniquement le sondeur. Bah, vous voyez, j'ai le sondeur. Dans l'utilisation aussi, on a des fonctions qui sont intéressantes. Donc, lorsque vous êtes perdu, vous pouvez juste cliquer sur l'écran et la machine vous dit « qu'est-ce que tu veux faire avec moi ?» D'accord. Donc là, on ajuste ses fréquences, on ajuste ses réglages. Par exemple, pour ajuster le gain, donc là, je vais me mettre en mode manuel. J'ajuste le gain. Alors, le gain, il sert à quoi? Alors, le gain, c'est... comment dire, envoyer de la puissance pour avoir plus de détection, définition du définition pour un sondeur bifréquence 5200. Toi Philippe, tu es en sharp, donc on envoie du gain, on envoie un peu de puissance, mais aussi il faut pas oublier qu'on ouvre plus l'écoute du sondeur. Lui sait qu'il envoie. Et toi, en envoyant le gain, tu lui ouvres son écoute pour qu'il fasse la différence par rapport à ce qu'il a envoyé et ce qu'il reçoit. Alors aussi, une des choses intéressantes dans les TZ Touch, vous avez la fonction Wi-Fi. Alors la fonction Wi-Fi, ça permet à la TZ Touch de communiquer avec des tablettes, des téléphones, que ce soit sous Apple ou Android. Et ça peut être intéressant des fois lorsque vous avez vos copains sur le bateau et il y a une personne sur l'avant du bateau, sur l'arrière, que lui ne peut pas avoir l'écran. Là, vous transférez l'image au sondeur par exemple, et on va le faire. Donc, vous créez dans votre menu général, vous avez des réglages et se connecter. Donc là, vous connectez, vous créez un réseau local ou là, vous détectez, pour faire très rapidement, votre tablette, par exemple, ou votre iPhone qui est dans votre poche. Il y a d'abord les deux applications à mettre sur les tablettes. Oui, qui sont gratuites, que vous téléchargez sur Apple Store. Donc, vous voyez ici, NavNet Viewer ou NavNet Remote. D'accord. Et ça, c'est gratuit, entièrement gratuit. Et donc, là, je fais la manip rapidement. Donc, vous êtes à la console avec par exemple la carte et le sondeur, et vous avez la fonction sondeur que vous pouvez passer un peu partout sur le bateau. Donc ça c'est intéressant. Ou lorsque vous êtes en nav, si vous avez un seul écran et que vous voulez garder votre page de carte disponible, vous pouvez mettre votre tablette à côté comme si on avait un deuxième sondeur. Comme si vous aviez votre sondeur pour avoir une vue en navigation du fond.
Et on peut avoir ça donc soit sur une tablette, soit sur un iPhone, si la personne a un iPhone, Android. D'accord, ok. Parce que maintenant on voit beaucoup de vestes où vous avez une petite poche qui tend aussi. Ouais, ouais. Et des fois, ça craque, vous voulez juste voir la profondeur, ce qui se passe, ouais. Bon, vous avez ça accroché au bras. Et cette application peut prendre la main aussi directement de la tablette pour pouvoir changer sur l'écran sans toucher à l'écran. Sur l'écran. Donc là, c'est l'autre, c'est la NapNet Remote. D'accord. Où là, vous prenez la main sur le sur la TZ. Ouais. Alors, un petit point aussi important que j'ai tendance à dire lorsqu'on est pêcheur, la machine, bon, chez Furuno, en automatique. Alors on va dire souvent les clients laissent leur machine en automatique. Il est important de prendre la main sur la machine et de la mettre en manuel et de faire ses réglages soi-même. Ouais. Donc ça, j'engage moi les personnes à rentrer un peu dans la machine. Dans les menus, ouais, le réglage. Ouais. Donc là par exemple le sondeur, c'est de débrayer la machine. Pardon, la table de fréquence. Ajuster. Donc ici, sur les sondeurs Furuno, vous avez pêche auto. Donc là, la machine travaille en automatique. Croisière, lorsque vous naviguez, pour diminuer un peu le gain et différentir pour qu'il y ait moins de perturbations sur votre sondeur. Et le mode manuel, où là, vous branchez en manuel. Et là, vous pouvez faire le réglage de votre gain, mais aussi, vous pouvez régler d'autres paramètres sur votre sondeur. Et c'est important, parce que on ne règle pas de la même manière ce sondeur à 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres. Ouais. Et puis par exemple, si tu veux chercher, tu es à la pêche, je sais pas, au thon, donc effectivement, tu as besoin d'avoir la vue sur l'ensemble de la profondeur de ton bateau jusqu'au fond. Mais si tu veux pêcher uniquement que des poissons qui sont au fond, tu peux diminuer et prendre de 30 à 50 mètres uniquement. Voilà. D'accord. Donc, oui, alors tu peux utiliser soit la fonction zoom de fond. Alors ça, c'est dans les modes. Un verrouille, par exemple un zoom fond. Donc là tu vas avoir ta colonne d'eau et ici tu sélectionneras juste les 5 mètres au-dessus, 10 mètres au-dessus. Okay. Et là c'est très très simple d'utilisation. Il suffit juste de zoom fond, verrouillage fond. Il suffit juste de cliquer dessus quoi. Là on est dans des petites profondeurs, donc le zoom fond n'est pas